les Européens produisent encore une quantité stupéfiante de déchets alimentaires. Selon les dernières données d'Eurostat, chaque citoyen de l'UE produit en moyenne 132 kg par an, ce qui représente un total de 59,2 millions de tonnes pour l'ensemble des pays membres. Les ménages sont responsables de plus de la moitié de ce gaspillage, soit 54%, tandis que les 46% restants sont le fait de la chaîne d'approvisionnement. Chypre et le Danemark sont de loin les plus gros gaspilleurs de denrées alimentaires des 27. Chypre produit en moyenne 294 kg de déchets alimentaires par personne et par an, contre 254 au Danemark. Le Portugal arrive en troisième position avec 185 kg par habitant. Les autorités pointent du doigt des facteurs tels que les achats impulsifs, le manque de préparation et de compétences culinaires, la faible valeur perçue des aliments, mais aussi les idées fausses sur les étiquettes telles que « à consommer de préférence avant le » et « à consommer jusqu'au ». L'Union européenne s'est engagée à réduire de moitié le gaspillage alimentaire par habitant sur le continent au niveau du commerce de détail et des consommateurs d'ici à 2030.